Oui, bonjour, on est devant le centre de vaccination de Bacalan, le centre éphémère, mais qui a été mis en place suite à une augmentation de cas de Covid dans le quartier. Comment s'est mis en place ce centre de vaccination ? Ce centre de vaccination a été mis en place justement dans le prolongement du succès du dépistage. Plus de 1000 personnes ont été dépistées sur la salle Pierre Tachou durant le week-end de Pentecôte. Et donc l'idée, c'était à travers la bonne opération, les bons résultats du dépistage, de tout de suite enclencher la vaccination qui est la meilleure protection contre le virus, même si il semble que le virus soit stabilisé puisqu'une soixantaine de cas ont été décelés, sont en isolement et sont traités avec les premières informations qui sont que ce ne sont pas des situations graves, dangereuses. En revanche, comme c'est un virus contagieux, comme c'est un variant en particulier, il était important qu'on profite entre guillemets de ce cluster pour tout de suite enclencher le développement de la vaccination. Donc ici à Bacalan, à peu près 140 personnes par jour sont vaccinées, 7 jours sur 7. Et sur Bordeaux-Lac, le vaccinodrome de Bordeaux-Lac, les chaînes à disposition des habitants et des salariés de Bacalan prennent environ 200 personnes par jour, ce qui fait 340 personnes par jour qui peuvent être vaccinées dès lors qu'ils habitent ou travaillent à Bacalan. Quel est le protocole à suivre pour se faire vacciner ? Pour se faire vacciner, il y a un numéro d'appel. Il faut prendre un rendez-vous. Il est impossible de prendre le vaccin sans rendez-vous. Donc on prend rendez-vous sur un numéro dédié. Et à partir de là, on fait valoir sa qualité d'habitant ou sa qualité de salarié pour passer prioritairement sur la chaîne de vaccination. Très bien. Je vous remercie. Merci à vous.